L'oublions en son visage pour couper la règle de grosses pierres, avec nos hymnes qui s'élèvent le cercle de sa bouillante union. Cette messe de cellules aux intentions de Marie Cassandre Fissina, aux intentions de ce grand Jean-Baptiste, elle qui a besoin d'être guéri. Seigneur, envoie ton esprit de guérison sur elle. Nous prions aussi pour le repos de la de cette personne, Jean-Sébastien Simon, Michel Guy, Serge Jean-Baptiste. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs de message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'Areopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir de cet homme, il a fait tous les peuples, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent, de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis,
et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Acclamation. Alléluia. L'esprit fait comprendre. L'esprit
enseigne. L'esprit fait également grandir. L'esprit, frères et sœurs, prolonge la mission de révélation de Jésus dans la nature à 10 ans. Aussi bien, Jésus a-t-il révélé au Seigneur tout ce qu'il a appris du Père. Il aurait pourtant beaucoup de choses encore à nous dire, mais il serait présentement pour eux un fardeau trop lourd. C'est-à-dire le sens de la révélation est toujours à comprendre à nouveau de la foi à la lumière de l'Esprit, l'Esprit du Père et du Fils. Oui, la foi, mes amis, est une progression. La révélation n'est pas donnée une fois pour toutes, mais c'est au fur et à mesure qu'on arrivera à découvrir de nouvelles choses en Dieu. Non pas capable, fini qu'on ait toute bagarre de nous. Non pas capable pour prendre mais c'est au fur et à mesure la découvrir des faits qu'on tient dans la vie nous. C'est au fur et à mesure la pensée qu'on a, qui ça, mon Dieu, le dit nous. Qui ça, mon Dieu, a enseigné nous. Chez chaque jour, nous a découvrir nos facettes, leur évangile là. C'est au fur et à mesure la propre parole qu'on tient. Mystère ça. Nous ne sommes pas capables de comprendre le jour, mais si à chaque temps, à chaque époque, nous essayons de comprendre qui ça, bon Dieu, veut dire, qui ça, parole, bon Dieu, veut enseigner. L'Esprit conduit les disciples vers la vérité de bon Dieu, c'est-à-dire vers Jésus, qui est la vérité. Et c'est ça. Selon les
besoin des soins des chrétiens selon les exigences du temps, oui, selon l'exigence de tout et de chaque cœur. Évidemment, révélation ça, c'est au fur et à mesure que la prière nous conduit, c'est ça qui fait que nous réunions de la foi, nous réunions dans l'espérance pour que nous capables de vivre les nouveaux chaque jour qui sera pour Dieu à essayer de faire comprendre à travers ce lien. L'esprit, mes amis, nous devons voir les choses à venir. Jésus ne pouvait pas aussi que le don de la prophétie, mais l'esprit donne la prophétie de comprendre ce qui arrive à la lumière. Tu devais prendre les choses issues de la mort. Qui s'est mis au Dieu, papa, petit à petit.
Et le nom à ses disciples en disant,
de même à la fin du roman. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous devant la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est mort, c'est la mort. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre bon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et donc te remercie car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, votre évêque de Marc sur le roi, ainsi que sur le Seigneur du Nombre et tous ceux qui en changent de ton peuple. Souviens-toi de mon Seigneur, de Jean, Sébastien, Simon, Michel, Guy, Serge, Jean-Baptiste, que tu as appelé au Père de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, pardonne-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous implorons la bonté sur Corinavitch qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous implorons la bonté également sur le Rosemière. Nous aimerons ta bonté sur Marie-Vincent de Vista, sur Jésus-Christ, Jean-Baptiste, et sur nos tous enfants. Nous aimerons ta bonté. Nous aimerons ta bonté sur tout le monde, sur les malades de la COVID-19. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le Seigneur de son cachage de vous, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont béni notre amour.
que tu es puissant dans son amour très grand sur la gloire vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, disposons-nous pour ton amour, Jésus, notre bon frère, notre Rédempteur, qui est vivant et tout présent. Devant Jésus.
Nous n'avons pas confié toute maladie.
Salut, maman, toi et moi.
Je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur le Pilate, a été crucifié, est mort. Pour nous et pour le monde entier.
Thank you.
Tous les
Béni soit Dieu.